présenter une nouvelle recette de cuisine, un bouillon de légumes avec du poulet. Donc pour la recette, on a besoin de légumes du marché, de légumes de saison, de l'eau, du sel, du poivre, un blanc de volaille de chez notre artisan boucher, et voilà. Bon Thierry, on commence par quoi? On va commencer par émincer finement nos oignons, nos poireaux, et après nos navets et nos carottes, on va les tailler en petites brunoises. C'est quoi la brunoise, Thierry? La brunoise, je vais tout montrer. On va prendre notre légume bien lavé, bien épluché. On va le tailler en lamelles. Après la lamelle, on va tailler des bâtonnets. Après les bâtonnets, on va faire des petits carrés. Comme les autres recettes qu'on a fait les autres semaines, le taillage, ça prend un peu de temps. Mais aussi, au niveau de la dégustation, au niveau de la cuisson, on va gagner du temps et ça sera meilleur. Mais maintenant, je fais revenir les légumes, là? Non, tu ne vas pas les faire revenir. Tu vas les faire suer. Suer, c'est qu'on va retirer, on va cuisiner, on va mettre un petit peu d'huile dans le fond de la casserole. On va les faire suer, c'est-à-dire retirer l'humidité et toute l'eau qu'il y a dans le poireau pour que ça développe encore plus de goût. C'est bon la Thierry, ils ont assez caramélisé? Voilà, ils prennent de la couleur un peu, ils ont rendu un petit peu d'eau, donc c'est bien. C'est important, si on fait une soupe, rien qu'une soupe basique comme on va faire là, de cuisiner la soupe. La soupe, ça se cuisine, on ne met pas de l'eau à chauffer, les légumes dedans vêtements. On fait revenir un petit peu nos légumes ou suer comme on a fait. Là, on va rajouter nos navets, nos carottes ou autres légumes selon ce qu'on a acheté au marché. Voilà, on va refaire suer un petit peu. On va mouiller tout simplement avec de l'eau chaude pour gagner du temps. D'accord ? On va assaisonner légèrement et on va terminer avec notre blanc de poulet. Mais on aura pu mettre un morceau de bœuf, un morceau de viande en général. Là, Julia, tu as mélangé tes légumes. On va mouiller avec de l'eau chaude. D'accord ? Bien mouillé, on va rajouter un tout petit peu d'eau encore. Je laisse cuire les légumes combien de temps? Tu laisses l'eau remonter en ébullition là, quand ça va bouillir. Dès que ça va bouillir, on va pouvoir mettre notre petit blanc de volaille. On va mettre le sel, le poivre et on va laisser cuire à peu près 20 minutes à petit feu. Bon, ben Julia, je crois que c'est bon. Il y a une jolie couleur. Les légumes commencent à être suffisamment croquants, c'est nickel. Le poulet est cuit. On va débarrasser le poulet. Voilà. Je vais te le couper si tu veux. Et on va dresser l'assiette et on va déguster. Allez, on goûte les filles. C'est vachement bon. C'est très parfumé, vous avez mis un cube de bouillon? Non. Non, en fait, l'échange qu'il y a eu dans la casserole entre les légumes et le poulet a donné ce goût-là. Et ça permet de ne pas utiliser de cube qui rendrait le plat plus gras et plus salé. D'accord. Bonne dégustation et à la semaine prochaine. Thank you.